Salut tout le monde, aujourd'hui, c'est dimanche, le 19 février de mars, cette année 2023. La première nouvelle la plus intéressante de Cam m'a présenté dans la visio dans le site web de l'USR.com pour le jour d'aujourd'hui. On me dire que la nouvelle, vous pouvez savoir, une subvention destinée à aider à établir un monument dans le parc public du Park appartenant à la région au North End dans la ville de Burlington de l'État de Vermont des États-Unis. Cette subvention provient de l'association historique du canton Clinton de l'État de New York des États-Unis, destinée à un programme de partenariat national établi entre l'État de New York des États-Unis et l'État de Vermont des États-Unis. Pour la restauration et la protection destinée à des biens publics que ces deux États des États-Unis possèdent en commun, de telle façon que ce programme national s'est posé important concernant l'aspect de pouvoir mettre en valeur l'histoire des États-Unis et l'histoire du Canada, tel qu'il se trouve une connexion naturelle de géographie pour ces trois territoires, l'État de New York des États-Unis, l'État de Vermont des États-Unis et les communautés tout le long de la rivière Richelieu de Québec du Canada. Disant cela, d'ailleurs, on me dire que cette subvention a pour visée d'aider à établir un monument dans l'État de Vermont des États-Unis, en mémoire des mouvements politiques concernant les droits de l'homme réalisés par les Américains d'origine africaine aux États-Unis, spécialement dans l'État de Vermont des États-Unis. On dit que l'installation de ce monument se fera commencer dans les jours à venir afin de pouvoir l'inaugurer le jour de Juneteenth, le 19 de juin. Le jour national des États-Unis destiné à célébrer l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et la liberté des Africains habitants aux États-Unis. Il se trouve ci-dessus des sites web concernant cette matière.